Des artificiers de Sherbrooke illumineront le ciel de Blackpool en Angleterre dans le cadre d'une des plus importantes compétitions de feux d'artifice d'Europe. FAE Pyrotechnie a été choisi pour représenter le Canada en septembre face aux meilleurs concepteurs de feux de la France et de l'Australie. On se colle avec deux grosses compagnies, vraiment des grosses compagnies là, qu'à un moment donné, là, petit frisson là, quand on regarde avec qui on a à sa côté là-bas. Moi, je pars à zéro, je monte la bande sonore, après ça, je fais l'agencement là, des frais avec la musique. Nous, ça va être James Bond de 1962 à 2008, de A à Z. Dans le fond, on essaie de faire un petit clin d'œil aux Britanniques en même temps là, avec ce band-là, puis qu'elle va être quand même dynamique avec plusieurs styles de musique différents. Fait que ça va être intéressant. C'est sûr que tout ce qui est côté technique, comme la précision, la qualité des pièces et tout, joue, mais tous les éléments mis ensemble, il faut que ce soit un feu qui dégage des émotions. C'est FAE Pyrotechnie qui a produit samedi dernier le feu d'artifice pour la Saint-Jean-Baptiste de Bromptonville en Estrie. Le Saint-Jean-Brompton, c'est un des feux d'importance de la fête nationale. En région, c'est le plus gros. Ce qu'il y a de particulier, ce feu-là, c'est qu'il est à très proximité des gens. Fait que c'est quand même un feu assez impressionnant vu que les gens sont proches. Toutes les petites pièces paraissent grosses. La compagnie a été fondée en 1985 sous le nom Feu d'artifice Estrie. Aujourd'hui, M. Gagné pense à la relève et à son fils qui lui succède. Aujourd'hui, il m'a dépassé, fait qu'on laisse le tout avec l'électronique et tout, sont tellement habiles sur les ordinateurs. Tout est monté, synchronisé avec des ordinateurs aujourd'hui. Tant que je vais avoir la santé, j'ai l'intention de continuer. C'est réellement une passion parce que chaque spectacle qu'on fait, c'est nous autres qui le conçoit. Puis réellement, mon but, j'ai 65 ans, je veux continuer à aider la relève le plus longtemps possible parce que j'ai à cœur, j'ai tellement eu de misère à monter ça, me faire un nom. Moi, j'ai à cœur à ce que la compagnie continue. On ne cherche pas à être la plus grosse compagnie, on cherche l'excellence.